Bonjour à tous et bienvenue sur notre deuxième live dédié aux nouveautés V22 de Briscat 3D. Alors comme avant chaque live, je vous propose d'aller régler la qualité dans les paramètres de votre vidéo YouTube pour avoir une optimisation parfaite de la vidéo et mieux voir ce que je vous montre à l'écran. Je vous rappelle que le but de ces démos est de vous montrer les nouvelles potentialités de ce logiciel à travers ses différents outils de 2D, de 3D et de BIM et de nuages de points et de civil. Mais aujourd'hui, on va parler de la 3D. Donc, dans cette interface, cette nouvelle interface de 3D, dans la V22, on va voir l'environnement, comment on peut naviguer, les nouveaux outils du quad, le manipulateur qui a évolué, le panneau de bibliothèque, un petit peu d'animation et de vidéo. Vous pouvez me poser toutes vos questions sur la droite, dans le chat. Donc n'hésitez pas, je suis là pour ça et j'y répondrai à la fin du live, dans les 15 dernières minutes. Pour ça, il vous faut un identifiant de connexion et vous pourrez ainsi me poser des questions et me les envoyer. Donc voilà, je vous répondrai à la fin. Je ne peux pas faire tout en même temps. N'hésitez pas donc dans la droite du live, dans le chat, à me poser toutes vos questions. Pour les nouveaux, pensez à vous faire une inscription. Vous pouvez poser toutes vos questions d'un aspect commercial à Frédéric Payetaille, votre interlocuteur depuis le début. Je serai votre intervenante sur cette session. Donc, je suis formatrice Briscad et sur d'autres logiciels chez Graphland, une entreprise qui est basée à Lyon et à Paris, spécialiste sur trois pôles, la GED, le SIG et la CAO. On forme sur une large gamme de produits et notamment sur Briscad. Donc n'hésitez pas à nous contacter, notamment M. Payetaille à ce sujet, si par exemple, à la suite de ces lives, vous souhaitez approfondir le produit à travers une formation ou un achat de licence, par exemple. C'est un logiciel Briscad qui est tout en un et qui vous offre une super palette d'interfaces métier ou projet, qui dans sa version 2D est super similaire à AutoCAD, donc les AutoCADiens ne nécessitent pas forcément de formation, et en plus, vous n'êtes pas obligé de passer par une formule d'abonnement. Et surtout, le format d'enregistrement natif, quelle que soit l'interface, est le DWG. Donc ça, c'est très 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 pratique. On peut être avec différents interlocuteurs qui travaillent sous différentes versions. On va maintenant commencer la démo. Donc, au démarrage de la 3D, on va cliquer sur « Modélisation 3D ». Les deux autres onglets sont en mise à jour puisque je me suis mise en 3D. Je vous rappelle que vous pouvez vous brider avec la commande « Run as level » pour voir quelle potentialité vous avez sur la version d'évaluation. Sur la gauche, vous pouvez aller sur « Apprendre » et télécharger des tutoriels, enfin des tutoriels ou des DWG qui vous permettront de voir comment ça se passe en 3D. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des applications tierces, donc des plugins. Vous enverrez le lien, si vous voulez, à la fin du live. Ici, vous retrouverez tous les gabarits donc, qui vous sont proposés par Brixis. N'hésitez pas à personnaliser vos templates et donc à les réenregistrer dans le fichier dossier support pour pouvoir les retrouver ici. On peut commencer un nouveau dessin après avoir choisi nos unités. Sur la droite, on a la barrette d'accès rapide. Ces panneaux sont détachables et vous les retrouvez au clic droit. N'hésitez pas à en rajouter. On en a des nouveaux dans cette V22 que je vous présenterai au cours de cette session. On retrouve aussi le ruban et la barre de contrôle du bas. On a différents panneaux, des fonctions, des paramètres, des calques, des propriétés, et le panneau astuces que je vous invite à aller visiter sur les outils spécifiques de Briscad. Si vous êtes un nouvel utilisateur, il vous propose des explications assez courtes sur la droite, mais qui vous permettent de comprendre un petit peu le sens de l'outil. Donc voilà, vous cliquez sur l'outil, et avec la palette qui est ouverte, il va vous donner un petit peu les petites étapes à suivre. En bas, vous retrouvez votre interface d'AutoCAD avec la barre de commande, les présentations, F8, F3 pour l'accrochage aux objets, donc vous pouvez soit cliquer, soit les activer. Les mises en page, c'est pareil, vous pouvez retrouver vos CTB, vous pouvez tout retrouver, ça fonctionne exactement pareil. Donc, on peut aussi ici changer les espaces de travail, c'est ça la force de Briscad, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il suffit d'un clic droit pour passer d'un environnement 2D au 3D ou au BIM, à contrario de Revit et AutoCAD, qui par exemple sont deux logiciels différents. Et là, on peut avoir quelqu'un qui nous a dessiné quelque chose, par exemple en dessin barre outils ou en modélisation barre outils, donc qui sont les anciennes versions d'AutoCAD, et on va pouvoir récupérer son projet et continuer éventuellement en BIM ou en 3D. On peut aussi passer du sombre au clair en deux clics et personnaliser son interface. Donc vous pouvez évidemment récupérer vos personnalisations des autres, de l'autre logiciel de CAO que vous utilisez, à condition que ce soit bien du point CUI, ce qui est utilisé aussi par AutoCAD, et donc ramener vos personnalisations. Je vous invite cependant à utiliser la personnalisation par défaut qui est offerte par le logiciel pour vous familiariser avec le nouvel environnement et donc les nouveaux outils. Notamment avec ces paramètres-là, qui regroupent absolument tous les paramètres. Il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas à les filtrer avec le petit rouage.
changer les réglages. Est-ce que je veux les variables? Est-ce que je veux les titres? Est-ce que je veux les commentaires? Ça, c'est une petite nouveauté. Et donc, ça vous fait une recherche facile dans tous ces paramètres. On a aussi le panneau structure qui a pu évoluer, qui est vraiment très, très, très pratique. Ce panneau structure, il va regrouper tous les composants et solides qui sont dans votre environnement, les blocs. Donc ici, avec un bâtiment, par exemple, qui contient des fenêtres et des murs. Et donc, on va pouvoir le voir par la suite. Ici, vous pouvez cliquer droit en perspective ou en axo. Ça, c'est une personnalisation facile. On peut aussi personnaliser son style de vue. Est-ce qu'on est en filaire, en modélisation, etc. N'hésitez pas à changer selon ce que vous souhaitez voir, hein, parfois à travers le bâtiment ou non. Et donc, dans le panneau structure, justement, pour voir les éléments, on va pouvoir aussi les sélectionner. Ici, il suffit de choisir donc, son solide pour qu'il apparaisse en bleu. Et on peut isoler, masquer, tout montrer, etc. Ça peut vous permettre de travailler facilement sur certains éléments du projet. Là, tout est dans le calque 0, donc ils sont rangés de manière aléatoire, on va dire, par type d'objet. Mais vous pouvez aussi les trier par calque. En fait, on peut totalement changer cette arborescence. Je vous rappelle que vous avez des petites possibilités aussi de masquage via le quad et via la palette d'accès rapide tout en haut de votre écran, qui regroupe ce même genre de choses. Par exemple, la sélection similaire, par exemple, l'isolation, masquer les entités, etc. Donc, n'hésitez pas à faire ça quand vous travaillez en 3D. C'est très, très important de faire des masquages, des isolations, sinon vous n'arriverez jamais à travailler dessus. On peut aussi ici personnaliser son arborescence et donc changer les règles qui constituent cette arborescence. Donc, est-ce que je vois d'abord les blocs? Est-ce que je vois d'abord les calques? Qu'est-ce qui filtre mon arborescence? Alors, pour ceux qui sont familiers à Revit, il y a à peu près le même principe. C'est assez intuitif. Je vous invite à aller chercher dans ce petit rouage comment personnaliser votre arborescence. Dans l'onglet vue, vous avez aussi des petits outils de 3D. Donc ça, bon, moi, je préconise la souris quand même. Mais si jamais vous avez oublié votre souris ou vous avez du mal à faire une visite virtuelle, on fera de l'animation à la fin, donc vous verrez que ça peut être utile. Ces petits outils de 3D vous permettent de naviguer dans votre environnement de manière assez souple, sans perdre d'un coup et partir dans le ciel, ce qui arrive parfois quand on a du mal avec la souris. Voilà, petit onglet naviguer à visiter. Je vous rappelle aussi que vous avez cette chaise sur la droite qui ressemble au ViewCube, qui vous permet aussi de naviguer, donc vous pouvez voir différentes façades de votre projet. N'hésitez pas. Et vous avez aussi ici toutes les personnalisations, visualisations des styles de vue que vous retrouvez aussi dans la version Shape qui est gratuite et dans laquelle vous pouvez créer des styles de vue. Donc, vous voyez ici, vous pouvez tout changer, tout personnaliser. Alors, pour l'occasion d'un rendu ou non. On va maintenant voir des principes de modélisation directe à l'échelle d'un bâtiment. Donc, je vous rappelle que vous pouvez utiliser dans la 3D des outils de 2D. Là, on aurait pu faire un rectangle plus une extrusion, mais vous pouvez aussi partir directement de l'outil cube. Alors, une fois qu'on a dessiné un cube, on peut sélectionner soit ses faces, soit ses arêtes. Je vous invite à choisir ça et à choisir dans le quad, par exemple, le manipulateur. Il se déplace avec la petite boule à l'arrière. Il est très simple d'utilisation. Vous pouvez comme ça venir sélectionner la face et tourner grâce aux arcs qui se présentent de chaque côté. Mais on peut le bouger et tourner comme ça. Vous pouvez aussi taper l'angle si vous savez l'angle que vous voulez mettre sur la face. Donc c'est un peu un couteau suisse qui est super pratique. On peut aussi tirer comme ça les arêtes. Les barres jaunes permettent de déplacer la sélection. Alors, on peut aussi dessiner directement sur de la 3D. Voilà, on dessine avec l'outil ligne ou l'outil polyligne, peu importe. Vous voyez, on peut s'attacher dessus. Attention à bien mettre les accrochages aux objets. Et grâce à la sélection de contours, on peut comme ça venir rentrer dans le bâtiment avec le pouce étiré. Vous voyez, ça s'apparente un peu à du SketchUp. C'est fluide, c'est assez instinctif. On arrive à modéliser sans trop de mal. Avec le plan de coupe, vous pouvez couper dans ce que vous venez de faire. Et là, vous vous rendez compte que c'est un solide rempli. Mais on va pouvoir utiliser un outil qui s'appelle coque. Je vous rappelle que vous pouvez taper aussi au clavier coque. Et rentrer la valeur de l'enveloppe, donc qui va constituer les murs, en fait, les murs ou dalles, pour pouvoir faire un épaississement.
Donc vous voyez que maintenant mon volume n'est plus un solide rempli. Et je vais pouvoir en fait, à l'aide de cet outil qui me permet de diviser mon volume, puisque pour l'instant c'est juste une enveloppe, créer par exemple les murs latéraux. Donc on positionne sur la face, on tape la profondeur du mur et on valide par entrée. On peut comme ça répéter l'action sur tous les murs qu'on souhaite diviser. Donc c'est assez facile, hein. Je vous rappelle que pour répéter une action, vous pouvez taper espace, ça répète toujours la dernière action. Et vous voyez qu'on va comme ça diviser les murs. Et grâce à ça, on va pouvoir continuer et créer des dalles et des murs dans le projet. Alors vous voyez ici, on va diviser la dalle du premier étage. Et grâce à l'outil hyper pratique de prolongation, donc qui permet d'aller au plus proche, connecter au plus proche, en fait, on va pouvoir connecter. Ici, on va pouvoir aussi connecter les deux murs d'une certaine manière, donc en utilisant cet outil-là. Voilà. Et en bas, vous avez la possibilité, avec contrôle, de faire varier, comme ça, quelle intersection j'ai envie d'avoir. Puis, on va pouvoir connecter au plus proche, et il va rejoindre la toiture. C'est vraiment instinctif, grâce au quad, puisqu'en fait, il nous propose directement l'outil qui est concerné par l'action. Le manipulateur, je vous l'ai déjà montré, il sert aussi à copier. Vous pouvez taper C entrée pour copier. Et ensuite, on peut taper R entrée pour répéter et avoir ce genre de choses. Et donc décaler dans les hauteurs les étages. On peut ensuite à nouveau utiliser connecter au plus proche, mais cette fois-ci en sélectionnant plusieurs faces. Et le logiciel fera le travail. Il va bien connecter chaque face au mur le plus proche, bien qu'il ne soit pas sur le même plan. Vous voyez, ça va assez vite. La modélisation directe de bâtiment. Alors, on a aussi la possibilité, quand on utilise le manipulateur, vous voyez, de faire contrôle en bas pour décider si oui ou non, quand je déplace un mur, les murs qui sont joints à celui-ci viennent ou pas avec ce mur. Vous voyez, en appuyant sur contrôle, en fait, quand je déplace mon mur, j'ai l'opportunité de choisir entre je détache mon mur ou mes murs viennent suivre avec. C'est aussi valable dans la rotation du manipulateur. On peut agir avec contrôle, dans quel cas il va prolonger les murs pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de trous. Donc voilà, je vous invite à utiliser ces petits outils de manipulation faciles qui vont vous permettre de modéliser très rapidement. À l'échelle d'une pièce mécanique, on n'utilisera pas forcément les mêmes outils, donc on va vous voir ça maintenant. Donc, par exemple, là on a une petite pièce, on peut cliquer dessus parce que c'est un bloc et faire ouvrir une copie. Dans ce cas-là, elle nous ouvre un DWG qui est une copie de ce bloc-là. On peut utiliser l'outil générer contour de cette pièce pour récupérer en fait, les arêtes de contour de cette pièce qui était de la 3D et en sortir une 2D. Vous le retrouvez aussi sur le quad, il ressemble à ça. Grâce à ça, vous allez pouvoir récupérer le contour de cette pièce. Et donc si j'enlève la pièce, je garde que les contours 2D. Ça peut être une bonne base pour en faire une déclinaison, ce que je vais faire maintenant. Vous voyez, on peut sélectionner et faire une extrusion hyper rapidement. L'outil extrusion permet aussi de faire des trous, toujours avec contrôle. Hein. C'est toujours le même mécanisme en bas. On peut venir changer l'option. Et donc avec contrôle, je vais pouvoir finalement évider mon volume. Voilà, ça va super vite. Alors on a aussi la possibilité de venir sélectionner les chanfreins qui ont été réalisés et sur le quad, venir les supprimer. Il va recréer l'angle, parfaitement. Et vous retrouvez votre pièce. Voilà. On va aussi pouvoir éditer les faces d'un solide pour pouvoir, par exemple, les décaler. Donc Solid Edit vous permet de sélectionner une face. Vous pouvez ensuite spécifier la distance de décalage, par exemple, à l'arrière de la face pour la dupliquer. Et donc, on va s'en servir pour venir couper dedans. Donc après, avec le manipulateur, vous pouvez répéter l'action sans trop de difficultés. Alors, grâce à l'outil empreinte, en fait, on va pouvoir dire qu'on veut faire trancher notre solide grâce à ces deux faces. Et donc, il va recréer des arêtes. Ça, c'est un outil qui existe dans SketchUp. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, ensuite, ça devient des vraies faces. Et grâce au pouce étiré, je vais pouvoir distordre mon volume. Donc le pouce étiré du quad, et ensuite je bouge, et vous voyez, je vais pouvoir comme ça distordre le volume et créer une nouvelle pièce. Alors, on a aussi la possibilité de venir fixer les choses. Donc ça, c'est du paramétrique, j'ai déjà fait des démos là-dessus, pour que quand on vient faire des rotations, certaines choses ne bougent pas, certains angles ne bougent pas, par exemple. Donc n'hésitez pas à fixer des choses, ou à rendre paramétrique votre modèle. Vous avez pour ça un onglet paramétrique qui est dédié. N'hésitez pas à le visiter ou à revoir nos webinaires.
On peut aussi rajouter donc des chanfreins d'un coup sur toutes les arêtes. Pour ça, vous sélectionnez toutes les arêtes, vous spécifiez la dimension du chanfrein et vous voyez qu'il fait le travail. Alors, on peut dessiner aussi sur les faces. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc un rectangle, par exemple. Vous pouvez taper un rectangle, hein, la commande rectangle. Avec tabulation, remplir les infobulles et venir extruder ce volume. Donc, dans l'idée de rajouter, par exemple, un solide au-dessus de ce solide de pièces de mécanique. Voilà, alors on se rend compte qu'il ne touche pas la pièce, donc on va pouvoir aussi l'extruder dans l'autre sens. Et pour l'instant, ce sont trois entités différentes. C'est pour ça qu'on utilise les booléens, qui sont des additions, des soustractions, des intersections. Donc là, une addition, et on va avoir une forme globale si on réutilise une addition entre les deux pièces. Il ne faut pas utiliser forcément des additions à chaque fois, mais ça peut nous permettre comme ça de rassembler des volumes qu'on a créés à part. Voilà, n'hésitez pas à sélectionner des arêtes, les bouger à l'aide du manipulateur, c'est très facile. Il est toujours sur le quad accessible. Je vous rappelle que vous pouvez aussi faire espace pour répéter cette dernière commande. Dans un sens comme dans l'autre, je vous invite à bien taper les mesures et pas à faire des choses approximatives. Alors on peut aussi utiliser l'outil décalé sur des faces, très pratique, pour récupérer un contour vers l'intérieur. Et on va pouvoir aussi évider ce contour, bien évidemment. Toujours avec contrôle, on contrôle en bas si on veut évider ou créer une nouvelle extrusion. On va pouvoir aussi faire cette extrusion à travers tout le solide, voilà, comme le cercle ici, qui vient vider des deux côtés. On va pouvoir refaire un chanfrein à l'intérieur en sélectionnant deux arêtes et en utilisant l'outil chanfrein. On spécifie la valeur du chanfrein ou du raccord, pardon, c'est deux outils similaires. Et on va pouvoir finir notre pièce. Alors, une fois que notre pièce est finie, je vous invite maintenant à ouvrir la bibliothèque, qui est ce panneau. Ce panneau-là, déjà peut-être familier si vous avez vu l'interface 2D avec moi il y a deux semaines, on peut cliquer sur le plus pour créer un nouveau bloc, en fait. C'est un panneau de bibliothèque de blocs. Vous pouvez nommer votre bloc et vous pouvez décider de soit créer un nouveau dossier en tapant un nouveau nom, soit d'aller chercher dans la liste un dossier déjà existant que vous avez sur la gauche. Je vous invite à aller faire un tour sur cette bibliothèque, il y a plein de blocs de BricsCAD qui sont hyper bien et qui sont déjà faits. Sélectionnez bien vos unités et mettez créer. Automatiquement, maintenant, si vous allez sur un autre dessin, dans votre ordinateur, peu importe quel dessin, vous pourrez retrouver dans le dossier en question cette pièce que vous venez de faire. Et là, vous voyez aussi les pièces que j'avais fait il y a deux semaines sur les portes paramétriques. Donc vous voyez, on récupère la nouvelle pièce. Ça remplace en fait le insérer bloc et c'est un truc un peu plus complet. Je fais beaucoup d'explications la semaine dernière dessus, enfin il y a deux semaines. Vous pouvez aussi donc ici cliquer dans gérer les vignettes et rajouter autant de bibliothèques que vous voulez. Donc c'est super pratique, aller chercher sur un réseau, partager des DWG avec vos collègues, centraliser en fait tous vos blocs via cette bibliothèque. Je vous invite vraiment à vous pencher sur ce nouveau panneau qui est accessible au clic droit sur le côté de votre écran. Alors, maintenant, on va pouvoir aussi voir un nouvel outil qui est la distance la plus proche. Donc, quand on sélectionne deux éléments, quand vous double-cliquez sur la case de la flèche bleue, vous obtenez maintenant la flèche rouge et la flèche verte. Ça vous permet de déplacer dans l'environnement X, Y, Z votre pièce par rapport à une autre. Donc, je l'avais aussi montré en 2D, ça fonctionne en 3D, ça peut être super pratique pour régler des écarts entre les pièces, pour positionner vos objets. Mais ça peut aussi servir dans la modélisation en elle-même, donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Si on prend par exemple ce bureau, qui est déjà modélisé, si par exemple je trouve que ce côté est trop fin, je peux utiliser la distance la plus proche pour venir épaissir mon bureau. Donc c'est très simple, on rentre dans le champ et on peut taper une valeur, automatiquement ça crée l'épaississement. Donc c'est un outil qui peut être vraiment hyper facile et rapide dans la modélisation, vous voyez. C'est toujours le deuxième sélectionné qui bouge, donc celui qui est vers la flèche. C'est assez simple, ça peut être donc soit entre les objets, soit entre différentes faces de vos volumes. Voilà, vous cliquez dans la flèche et vous rentrez une nouvelle valeur. Je vous rappelle que pour afficher ces flèches-là, si vous ne les avez pas quand vous faites la même chose que moi, il suffit de double-cliquer sur la flèche de distance la plus proche que vous avez au début, donc dans son champ de texte. Et après, vous avez ça. Voilà, c'est très facile. Ça permet comme ça de modéliser très rapidement. Alors,
Je vais faire un petit point sur le SCG et le SCU parce que j'ai souvent des questions dessus. Le SCG, système de coordonnées générales, et le SCU, système de coordonnées utilisateurs. C'est ce qui fait que quand vous dessinez, des fois, vous n'êtes pas forcément dans le bon sens. Alors, pour ça, vous pouvez cliquer ici sur la chaise au clic droit et venir dans l'explorateur. Créer un nouveau SCU, donc en cliquant sur le petit nouveau, et vous définissez une origine et deux points XY. Je vais le refaire pour vous remontrer. Donc, vous cliquez sur nouveau, vous faites l'origine, donc l'origine du XY, vous choisissez un point, n'importe lequel. On choisit un point pour l'axe des X et on choisit un point sur l'axe des Y. Ça définit un nouveau SCU, vous le nommez pour le retrouver. Alors, en général, ce sera façade sud, façade ouest, façade... voilà. Et ensuite, comment je me repère avec ces SCU? Je fais un petit clic droit en fait, sur la chaise, mais avant, si je veux que ça tourne, il faut que je mette la variable UCSFollow sur 1. Et là, vous voyez que maintenant, ça va tourner automatiquement. Voilà. UCSFollow, c'est une variable que vous avez aussi sur AutoCAD qui vous permet de dire que votre plan de travail tourne avec votre SCU. Et donc, comme ça, vous allez être dans le bon sens si vous voulez dessiner quelque chose. Donc, pour de l'ameublement, c'est très, très important de faire ça si on veut être dans le sens de la façade sud plutôt que d'avoir un torticolis et dessiner avec la tête à l'envers. Donc, et puis, on peut rattraper des biais, etc. Donc ça, c'est l'ancien mode qui vous permettait de dessiner. Le problème, c'est que dans cet ancien mode, quand moi, je dessine, bah, si je n'ai pas choisi le bon SCU, je ne suis pas aligné. Vous voyez, mes cubes, là, ne sont pas forcément alignés à la ligne sur laquelle ils sont. Ils appartiennent à leur SCU que j'ai choisi. C'est pour ça que Briskiat propose un SCU dynamique qui est vraiment super, super pratique. Je l'ai déjà montré dans la version 2D, il s'active en bas à droite. SCUD, il s'appelle. Dès que vous allez vous approcher d'une face ou d'une ligne, il vous change complètement le système de coordonnées temporairement et simplement pour cette action-là. Et vous allez pouvoir, comme ça, dessiner hyper facilement dans n'importe quel système de coordonnées. Évidemment, si ce n'est pas votre souhait, vous désactivez le SCUD. Vous voyez comme ça, j'ai envie de dessiner des livres, je vais dans l'étagère, je suis bien dessus, et dans le bon système orthonormé, tout est bien parallèle. Si j'ai envie de bouger derrière, par contre, je suis libre avec le manipulateur pardon, de venir modifier mes éléments. Ça ne veut pas dire que tout reste parallèle définitivement. Vous voyez, maintenant, je peux dessiner penché sur cette face-là. Et donc, autant en 2D qu'en 3D, je trouve que ce SCUD va vraiment vous faciliter la vie dans la modélisation. Alors, on a le SCU, mais on a aussi la possibilité d'enregistrer des vues dans l'explorateur de dessin. Donc, cette possibilité-là vous permet d'enregistrer des sortes de caméras qui vous permettent en fait, de vous balader dans votre projet. Moi, j'aime bien le faire pour, par exemple, avoir une caméra à l'intérieur, une caméra à l'extérieur, une caméra sud, est, nord-ouest, etc. Vous pouvez aussi vous mettre en perspective si vous trouvez qu'en orthographique, c'est un peu gênant à l'œil. Chacun fait comme il le sent. Je préfère le mode orthographique, sauf quand je décide de m'orienter vers le rendu. Si on s'oriente vers le rendu, alors il est préférable d'être en mode perspective pour être plus réaliste. Donc, vous pouvez aussi vous mettre en mode réaliste pour constater un petit peu ce que ça donne. Ce mode réaliste vous permet aussi d'ajouter des textures. Je vous invite à rajouter des textures. Donc, c'est toujours dans l'explorateur, hein, comme tout est dans l'explorateur. Si vous avez un doute, vous allez dedans. Ici, vous allez pouvoir régler plein de paramètres. Importer des JPEG qui deviendront des textures. On peut même mettre du bump, c'est-à-dire du relief. C'est génial. Ici, sur la gauche, vous allez récupérer vos textures que vous avez créées. Et avec un petit pinceau en cliquant dessus, c'est super pratique. On va pouvoir venir peindre. Il n'y a rien de plus simple. Hein. C'est un peu comme dans Paint. On prend la couleur, on la choisit, on clique dessus, on vient cliquer sur l'objet. Voilà, très simple. Et donc, si vous en créez davantage dans le menu que j'ai montré avant, qui est dans l'explorateur, elles se retrouveront ici sur la gauche. Vous pouvez vous faire une bibliothèque gigantesque de textures et ça va servir aussi pour le rendu. Donc là, vous voyez, hein, on peut comme ça peindre les éléments, un petit peu de jaune. Ça va assez vite. Hein. N'hésitez pas à zoomer pour plus de précision. Alors, maintenant qu'on a fait les textures, on peut imaginer lancer un rendu. Donc on va pouvoir paramétrer la dimension du rendu et valider par OK. Donc vous pouvez enregistrer ça sur votre ordinateur, ça fera un rendu. Voilà. Alors, je montrerai bientôt, dans 2 semaines, davantage de choses sur le rendu sur Twinmotion. Donc n'hésitez pas à venir dans 2 semaines, ça sera avec la version BIM. En attendant, on n'a pas Twinmotion, mais on va faire quand même de l'animation, ce qui est quand même pas mal. On a un panneau ici qui s'appelle l'éditeur d'animation, que je trouve assez facile à gérer, donc je vous le présente maintenant. En fait, on va pouvoir faire ici donc, une scène. Une scène, c'est
ni plus ni moins qu'une vidéo, vous paramétrez le temps de votre vidéo. Donc c'est super pour des visites virtuelles. Ensuite, vous avez une timeline en bas. La timeline, c'est de 0 à 12, puisque j'ai mis qu'elle faisait 12 secondes. Et donc, cette timeline-là, c'est le temps de ma vidéo. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de paramétrer le trajet de votre vidéo. Donc, vous pouvez comme ça prendre par exemple une spline. C'est souple, c'est pas saccadé si vous voulez pas que votre caméra ait l'impression de bloquer des fois. Et vous faites le cheminement que vous avez envie de parcourir jusqu'à l'objet que vous regardez. Bon, là, c'est un cheminement aléatoire. Hein. Je fais une spline. Si c'était dans une maison, faut pas hésiter à passer dans les pièces. N'oubliez pas d'ouvrir les portes. Ensuite, on peut remonter avec le manipulateur cette spline pour être à l'auteur d'un être humain, par exemple. C'est souvent conseillé pour que ça soit plus réaliste. Vous pouvez par la suite venir modifier les points de cette spline si vous voulez, par exemple, donner une impression de mouvement vertical. Par exemple, on peut venir changer les points ou alors changer l'échelle pour pouvoir se rapprocher de l'objet, parce que là, je l'avais dessiné un petit peu lointain. Donc, une fois que vous êtes dans le bon... dans la bonne échelle, vous pouvez modifier les points sur la hauteur, voilà, par exemple, ou vers le bas, hein, c'est comme vous le souhaitez, pour donner un peu plus de dynamisme à votre visite virtuelle. Donc là, j'ai juste fait une spline. Ensuite, une fois qu'on a fait la spline et qu'on est satisfait, on va pouvoir s'intéresser à notre timeline. Donc n'hésitez pas à naviguer pour voir un petit peu ce que ça donne, de où je pars. Je suis un petit peu bas, mais c'est pas grave. C'est une démonstration, vous pouvez donc gérer ça. Et on va pouvoir regarder en bas, ici, pour créer ce qu'on appelle une caméra. Ma caméra se crée, pour l'instant elle est sur pas grand chose, je l'agrandis pour être sur 10 secondes, et je vais venir dans ces paramétrages sur le côté droit, faut pas hésiter à descendre, venir chercher donc plusieurs choses. Ici on a la possibilité de régler une cible et un chemin. Donc ici en fait, vous allez pouvoir définir que le chemin c'est la spline que je viens de créer et que la cible c'est quelque chose. Donc moi je vais dessiner une petite ligne sur mon bureau pour dire que ça c'est ma cible. Donc en gros la cible c'est ce que je regarde, en gros vers quoi la caméra est orientée et focalisée. Et à l'inverse le chemin c'est la grande spline. Et donc à partir de ça vous pouvez lancer la timeline, vous voyez que la barre est avance et la vidéo se lance et on est en train de faire notre première animation. Donc c'est pas compliqué. Alors ça lague un peu, c'est normal vu que c'est en live, mais quand vous exporterez, ça ne laguera plus du tout. Ensuite, vous pouvez réexporter autant de points de vue que vous voulez en appuyant sur le plus à gauche et ils n'ont pas besoin d'être tous animés. Par exemple, je peux choisir un point de vue fixe pour finir ma scène. Voilà, vous n'êtes pas obligé de rajouter une cible, vous pouvez rester en point de vue fixe. Ensuite, on peut rendre la vidéo avec le bouton bleu, choisir son format et donc selon la qualité que vous souhaitez, dire si on veut être en AVI, etc. Et ensuite, choisir l'heure du début et de la fin rendu, vous l'enregistrez. Et ensuite, ça sort en AVI. Voilà. Donc après, bon là, c'est juste un début de lancement. On peut aussi faire de l'animation d'objets, c'est très intéressant. Alors là, ça va être de la magie, hein, mais c'est simplement une démonstration de l'animation d'objets. Vous pouvez comme ça animer des objets qui bougent. C'est sur la même scène, quelque chose que j'avais déjà fait. Je vous propose de vous pencher là-dessus par vous-même, mais c'est possible. Alors, on a aussi quelque chose que j'apprécie énormément dans ces nouveautés V22 et que je vous conseille à regarder, c'est l'annulation par entité. Donc, pour vous montrer ça, je vais un peu distordre les éléments que j'ai dans ma scène et que j'ai créés avec vous, en faisant des pouces étirés, par exemple. Donc, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, vous pourrez essayer en modélisant plusieurs formes et en les déstructurant. Vous voyez, n'hésitez pas à faire plein de mouvements différents pour bien voir ce que l'annuler par entité propose. Alors, on peut faire du CTRL-Z, mais le CTRL-Z, il annule pas par entité, il annule par mouvement chronologique. Donc, j'ai en dernier fait ça, il l'annule, puis en dernier fait ça, il l'annule. L'annuler par entité est beaucoup plus intéressant, puisqu'en fait, il va permettre de créer un historique par objet et devenir... vraiment, sur cet objet-là, dire « Ah non, en fait, j'ai envie de revenir à cette étape-là de création. » Et donc, de ne pas venir faire 10 000 CTRL-Z jusqu'à l'endroit où j'étais et qui supprimerait l'ensemble de mon travail. Vous voyez, je peux revenir sur des éléments que j'ai créés il y a longtemps et revenir au début. Et ça ne marche pas que sur de la modélisation, ça marche aussi sur des matériaux. Donc c'est vachement pratique parce que le client, il a dit que c'était rouge et finalement, il a dit que c'était bleu. On peut aussi revenir en arrière là-dessus. Et sur la forme et sur la couleur. Vous les retrouverez aussi dans l'historique ici. Et donc vous allez pouvoir revenir comme ça en arrière, enlever la texture par exemple.
Donc c'est vraiment pratique. Je vous conseille d'aller voir cet annulé par entité qui se trouve dans les propriétés, dans la rubrique historique de l'onglet général. Alors, voilà pour l'annulé par entité. On va maintenant passer au comparer vos DWG. C'est possible maintenant. C'est possible et c'est simple. On a un bouton dans l'accueil. Donc vous pouvez aller dans l'accueil pour voir ça. Avant, je vais supprimer quelques petites choses pour vous comparer tout ça. Donc imaginez que j'ai déjà enregistré mon dessin, évidemment, et que je supprime et que je bouge des éléments de mon dessin. Donc là, on va bouger ça dans un sens, bouger ça dans l'autre sens. Très simple. Voilà. Et puis finalement, mon client se rétracte et je vais pouvoir comparer l'avant-l'après. Donc j'enregistre évidemment ma nouvelle version. Et dans l'accueil, je viens comparer des WG, chercher mon ancien dessin, et il me propose la comparaison. Alors ça, c'est très, très, très pratique. On voit en vert les éléments qui ont été supprimés, en jaune les éléments qui ne sont plus à leur place, et en gris les nouveaux éléments. Vous pouvez faire des mises en page avant-après pour vos clients. N'hésitez pas à faire ça. Et on a surtout le choix ici de revalider. Par exemple, j'avais supprimé la poubelle, je la veux quand même. Eh bien, avec le V du petit menu comparé, je peux la conserver finalement et elle va revenir dans mon bureau. Enfin, sur mon bureau, du coup, et dans mon environnement. Voilà, vous avez le choix de sélectionner ce que vous voulez plus ou ce que vous voulez encore. Et valider, et vous venez de créer un nouveau fichier. Alors, il apparaît en nuance de gris parce que je suis dans le style nuance de gris sur la droite. Automatiquement, ça bascule là-dessus, mais les textures ne sont pas perdues pour autant. On finit maintenant par la création des ensembles de blocs. Donc j'avais déjà montré ça sur la 2D, mais comme c'était de la 3D, je le reprends cette semaine. On peut donc, avec l'outil blocifier, blocifier des cubes, pour dans l'arborescence avoir plus que des blocs. Ok, simple, on a maintenant des blocs. Donc tous mes cubes sont des blocs. Mais comme ils sont de différentes tailles, je peux faire correspondre les blocs existants pour qu'ils captent que c'est quand même que des cubes et qu'ils arrivent à mettre un lien entre eux. Donc on peut maintenant faire trouver des collections avec l'outil blocifier. Et là, comme il a vu un lien entre eux, il va me proposer différentes propositions. Vous les voyez sur la gauche figurée, vous pouvez les balayer, voilà, voir ce que ça donne. Donc c'est super intéressant et hyper pratique pour comme ça avoir plusieurs propositions en 2-3 clics. Tout ça grâce aux fonctionnalités de blocifier, un outil que j'ai déjà montré. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le nommer, vous pouvez décider de le conserver, décider d'arrêter là, ou de créer éventuellement cette nouvelle collection. Automatiquement, elle va donc s'enregistrer en tant que bloc. Donc vous pourrez la retrouver dans la commande insérer bloc, mais aussi dans votre explorateur. Je vous rappelle que le raccourci, c'est CTRL-2 pour aller dans l'explorateur, comme pour le Design Center d'AutoCAD. Ici, vous allez donc pouvoir aller dans la catégorie bloc et voir maintenant ma nouvelle proposition. On retrouve mes cubes et ma nouvelle proposition qui a été enregistrée de collection. On peut donc la nommer tête à tête, par exemple. Et comme c'est un bloc, je peux la faire venir avec la commande insérer bloc. Vous pouvez la chercher dans la liste et la ramener. Voilà, ça peut vous faire gagner du temps dans la réflexion, dans des compositions, dans de l'ameublement, dans de la mécanique. Enfin voilà, c'est un outil qui n'a pas de spécificité dans son sujet, mais vous pouvez l'utiliser voilà, selon les cas de figure. Donc n'hésitez pas à vous pencher là-dessus. Je vous remercie pour votre attention durant ces 30 minutes bien intenses et je vais maintenant me tourner vers vos questions. Il n'est pas trop tard pour m'en poser, donc n'hésitez pas à vous mettre sur la droite dans le chat. Je vous rappelle que si ça ne marche pas, c'est que vous n'avez pas de compte YouTube. Je vous rappelle aussi qu'on est là pour vous conseiller selon vos nécessités sur quel produit pourrait être le plus avantageux ou le plus pratique pour vous aider dans vos démarches et dans votre travail. Donc il y a du Briscadel T, Pro Mechanical et du BIM. Selon vos nécessités, ce n'est pas forcément c'est pas forcément du BIM qu'il vous faudra, c'est pas forcément du Pro. On sera là pour vous conseiller avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à vous retourner vers nous à la suite de ce webinaire si vous avez d'autres questions. Vous pouvez notamment écrire à Frédéric Payetaille, qui est votre interlocuteur depuis le début. Et je serais ravie de vous avoir au téléphone aussi pour vous conseiller. En attendant, je vous propose de venir aussi au webinaire qui se trouvera donc le jeudi 7 avril à 17h15 sur les nouveautés BIM. Donc voilà, vous pouvez suivre, même si vous n'êtes pas encore en train de faire du BIM, ça peut être un petit plus, ça peut être un déclic et vous rendre compte de certains outils, de mieux comprendre aussi l'environnement de Briscad.
sous un autre angle. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je serai ravie de vous présenter ça. On parlera dans ce webinaire de Briscat BIM des nouveautés et notamment la connexion avec Twinmotion. Twinmotion qui est un logiciel de rendu qui va pouvoir sublimer vos projets et donc créer potentiellement des vidéos, des animations encore une fois, mais beaucoup plus photoréalistes que ce qu'on vient de voir. Donc c'est encore un autre sujet. Voilà. Merci encore pour votre attention. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite de passer une excellente soirée. J'espère vous revoir jeudi dans 2 semaines. Et pour les autres, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors je vois la question de Vincent Darnay. Donc peut-on visionner les anciennes démos ? Pour l'instant, nous avons pris le parti pris de les laisser disponibles. Donc en effet, si vous allez sur notre compte Graphland de YouTube, dans nos vidéos, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos vidéos qui ont été tournées récemment. Et donc, par exemple, celle de la 2D qui était il y a 2 semaines, et aussi les anciens webinaires qu'on avait tournés, notamment en décembre. Donc n'hésitez pas, et puis si vous avez du mal à les retrouver, vous pouvez m'envoyer un mail ou envoyer un mail à Frédéric Payetaille, plutôt qui vous enverra le récapitulatif des webinaires qui pourraient vous intéresser selon les sujets. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, on les laisse accessibles. Vous pouvez en profiter pour comprendre un petit peu les nouveautés du produit et aussi essayer potentiellement ces nouveaux outils. D'ailleurs, je vais vous mettre le petit lien si vous souhaitez télécharger la version d'évaluation de Briscat, parce que voilà, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez donc télécharger le lien d'évaluation de la version 2D. Je vous le rajoute tout de suite. Attendez, je me connecte au chat. Connexion est un petit peu lente puisque ça diffuse en direct. Voilà le lien pour télécharger la version démo. Je vais en profiter d'avoir accès à la conversation pour vous rajouter. Je vous ai dit en début de présentation qu'il était possible de rajouter des plugins. Et vous êtes nombreux à nous demander si ce plugin-là est disponible ou non sur Briscat. N'hésitez pas à les consulter. Ici, vous les retrouverez tous. Et il y a des petites explications en plus qui vous permettent de voir un petit peu de quoi il est question et quelles sont ses fonctionnalités, enfin, leurs fonctionnalités. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous poser des questions sur le support technique de Briscat. Donc, si vous avez téléchargé une version démo via le lien que je vous ai envoyé, on pourra voir figurer vos questions. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des demandes de fonctionnalités, des questions, etc., à passer par là pour qu'on puisse avoir un suivi de vos questions. Je vous mets aussi le lien. Donc, c'est assez simple. Hein. Si vous avez téléchargé, vous avez créé un compte. Donc, normalement, vous pouvez aller dans vos questions support et poser votre problème en le rangeant dans la bonne rubrique. Alors en attendant, en effet, on sera au BIM World le 5 et 6 avril, donc n'hésitez pas à venir sur le stand de Brixis pour aussi nous poser des questions et voir peut-être davantage du produit. On vous attend là-bas. Je vais couper mon micro en attendant d'autres questions. En tout cas, si vous vous arrêtez là sur le suivi du live, je vous souhaite une très bonne soirée. Je coupe mon micro en attendant et je reviens s'il y a d'autres questions. Et sinon, à très bientôt.
On vient d'atteindre les 45 minutes, donc je vais devoir couper le live puisqu'il est programmé sur 45 minutes. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et Vincent Darnay, je vais vous faire communiquer par mail les liens des précédents webinaires, comme ça vous les aurez tous de répertorié. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à passer par Frédéric Payetaï, puisque une fois que le live est fini, les questions du chat sont fermées. Alors vous pouvez cependant quand même écrire dans les commentaires de la vidéo si besoin. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur notre compte Instagram, donc Grafland 2021. D'ailleurs, il faut qu'on forme une année. Vous pouvez nous suivre et à très vite.